Je m'appelle Tecle Dubuis, j'ai deux enfants, l'un de 5, l'autre de 3 ans. J'ai vraiment à cœur de leur montrer en fait comme quoi la nature a son importance et il faut en prendre soin. Et ça passe par le fait d'avoir pleine conscience de la valeur de chaque chose et tout particulièrement ça se traduit dans l'assiette. Ce cheminement au niveau de l'alimentation a commencé lorsque je suis tombée enceinte de mon premier. J'ai fortement changé mes habitudes alimentaires en diminuant ma consommation de viande pour aller plus vers une alimentation plus végétale. Donc à intégrer plus de légumineuses, des céréales différentes. C'est pour ça que là où je vais acheter est important, donc de trouver des produits locaux avec le moins de pesticides possible. Et aussi, si en plus je peux éviter le gaspillage alimentaire, pour moi c'est encore mieux. Sachant que mon budget est restreint, je me fournis en fait chez Nojavel, qui est une association de bénévoles qui récupère les invendus dans les épiceries bio ou les supermarchés et qui permet en fait aux personnes en situation précaire d'avoir un apport équilibré avec des choses qui seraient jetées en fait. Moi j'ai pour philosophie de faire avec ce qu'on a, de portionner au maximum, de cuisiner au maximum. Et par petites touches, que ce soit voilà, même un peu de fromage, des légumes, des légumineuses, d'y aller par petites portions pour pouvoir en fait, entre guillemets, en profiter un maximum, mais en ayant une diversité au niveau de l'assiette. Pour sensibiliser encore plus les enfants, on a planté des graines sur le balcon, on a fait pousser du daikon, on a fait pousser de la physalis, du basilic, pour après pouvoir les cueillir et l'utiliser dans la cuisine et leur montrer le lien en fait que voilà, une graine se transforme en plantes, puis en fleurs, et va donner un fruit. Ça, c'est quoi, ça, Asya? C'est la chouge. Oui, ça sent bon? Tu aimes l'odeur? Je vais sentir les deux choses. Les éveiller à ça tôt, pour qu'ils soient, on va dire, reconnaissants à la nature et respectueux envers elle. Pour moi, la good food, en fait, c'est manger plus de légumes, de fruits. On peut vraiment, avec de la gourmandise, mettre en valeur le monde végétal, prendre soin de son corps, et de la nature par ce biais-là.